Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons jouer à Just Cause Mobile. Donc nous voilà, donc c'est développé par Square Enix avec le moteur Unreal Engine du coup. Nous allons voir ce que c'est, on avait déjà vu, donc là vous pouvez voir du coup c'est la Regional Early Access, donc il est disponible que dans certaines régions exceptionnellement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée, je sais toujours pas pourquoi je dis ça. Bye bye. Ok, bon on va voir ce que ça donne en termes de gameplay. Honnêtement, je n'y ai pas encore joué. Changer de serveur pour l'instant. Est-ce qu'on... Pour l'instant, non, il n'y a qu'un seul serveur. Ok. Je sais pas si vous entendez. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, du coup, je peux, a priori... Oh. Donc là, du coup, je peux personnaliser mon perso, c'est ça? Ok, ça c'est les tenues. Alors les gars, ça reste une early access, hein, donc en termes de graphisme, ça sera potentiellement même à améliorer, ça se trouve. Ok, et défaut, ok. Donc là, du coup, on peut choisir la tête du perso qu'on veut jouer. A priori, il n'y a pas de caractéristiques si on en prend un plus que l'autre. C'est vraiment choisir l'apparence. Celui-ci non. Je me tâte à prendre celui-ci. Alors, tu sais quoi, on va prendre celui-ci. En termes de skin. Fait un peu marin ça. En fait, j'aime bien celui-ci, tu vois. Vas-y, on va prendre. Non. Ah ça fait. Autant prendre celui-là de base. Hein. On va prendre celui-là de base. On va prendre celui-ci. Let's go. Du coup, le pseudo, vous me connaissez les tipotes. Psytrag, hop, YT. Let's go. Ok, c'est parti. Allez, voyons ce que ça donne. Donc là, il y a une animation. Désolé, je parle pas anglais. Hey Pearl, the name sergent has been the skip of the ear open clear. On va juste regarder l'animation. Nous, c'est vraiment que ça qui nous intéresse au final, les gars. Qu'on se le dise. Hein, qu'on se le dise. Ok. Point C1. Point C2. A2. Je pense qu'il va y avoir A1, j'imagine. Non, même pas. Donc en gros, c'est une capture. C'est une capture quoi. Et il faut détruire la tour principale, genre la tour C1, une fois que tu l'as. Et une fois la capturer. Ok. Il y a plusieurs à capturer. Ok. Ok, il faut capturer un maximum de points. Ok. Et après, il y a D1. Qui est un peu la tour, le boss quoi. Le boss du niveau quoi. Ok, en gros, il faut clear toute l'île. Et ça passe par plusieurs bases. En fait, c'est comme des bases quoi. Ok, donc là, du coup, on est dans l'avion. Ok. D'ailleurs les potes, donc du coup les potes, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une early access, donc en termes de graphisme et autres, voilà, on peut pas trop en parler. Ok, l'animation. Ok. Harper, donc ça du coup ça va être le sergent je pense. Les nouvelles recrues. Ok. Ça va être un bref tutoriel j'imagine. Ok, donc c'est bien ce qu'on avait vu de toute façon dans la bande annonce, c'est que c'est une vue assez, assez particulière. Elle est pas du tout courante. Genre le sergent il a un appel, il a mis un grappin le sergent. Ok, j'ai mis un grappin également. Ah ouais. Ok. Oui. 1. Go. Comment on fait pour y aller? Destroy. Ok. Let's go. Déjà, je peux me déplacer droite-gauche. Et l'objectif, il est à 30 mètres. Ah, faut passer dans les cercles. Ah, je suis nul.
Ok, donc du coup, là, on déploie les parapluies, j'allais dire. j'allais dire les parapluies, les parachutes. Y'a quoi ici là? À 50 mètres là. Allez, faut que j'aille sur le point. On atterrit tranquillement. Je peux rien faire là, très clairement. Je suis limité. On peut pas bouger la caméra. C'est une caméra qui est fixe. Ok, donc en gros, ça on va le skipper. A priori, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tape la tourelle. Ok. On peut changer d'arme. Ok. Donc là du coup on aurait capturé et faut qu'on aille. Faut qu'on aille dans un truc. Alors on va skipper tout ça. Ça commence à me saouler un peu. Alors, on capture un peu le point entre parenthèses. Ok, donc du coup c'est une toile qui nous appartient. Pourquoi pas. Là qu'est-ce que je dois faire là? Je suis bugué là. Ok. Ah ça y est, je suis un peu plus libre sur mes mouvements. Ah ok, je peux déployer le parachute pour me déplacer plus rapidement. Ok, c'est stylé. Ok, donc j'ai une mini-map en haut à droite. Allez, nouvelle mission du coup. Allez, un point, c'est le point B1. Donc là du coup il y en a qui vont défendre la tourelle. Il va falloir la prendre. Ok, attention, après c'est de la série du jeu de coop hein, donc vous pouvez jouer avec vos amis bien sûr. Là c'est que là du coup je suis en découverte donc je joue avec personne. Ok. Oula. C'est vraiment spécifique en termes de gameplay. Hein. On peut sauter? Faut voir? Attends. Ah oui, on peut sauter. Ok. Mais en gros, c'est tout en même temps qu'il y a des troupes, il faut nous faut qu'on tape un maximum la tourelle quoi. Et là, genre, en gros, je peux faire ça quoi, pour me déplacer plus rapidement. Ok. Charger. Si je meurs sur le tutoriel, les gars, ça craint quand même. Ah, il y a des trucs qui explosent et tout. Ah oui, ça explose. Ok, donc là, je peux aller le capturer, le point. Ok, donc là, on l'a capturé. Donc là, du coup, on a accepté la mission. Je sais pas, ils ont dit accepte mission. Ok. C'est qui, ça? Ah. C'est l'animation. Ok. Oh shit. Donc là j'imagine qu'il va falloir que j'égarpisse. Genre Ok. Donc on peut faire ce move. Faites voir. Ah oui, je peux aller plus haut effectivement. Et je peux tirer quand je suis... Ok, bannière. Donc là en gros faut qu'on fasse tomber lui. Voir si je refais un truc. Ok. Ok. Waouh. Ah oui. Ah effectivement oui. On lance patate là.
Ok, on a le... Oula. Ok, on a aussi le... Comment ça s'appelle déjà? Ah merde, j'ai oublié comment ça s'appelle, regardez. Ça là. Vas-y, faut qu'on l'explose la dernière fois, de bonne fois pour toutes. Vas-y, le gigalo. Let's go. Ok, la petite animation du coup. Ok. On l'a mis en feu et il part. Il a même pas explosé quoi. Ok, donc ça du coup c'est pratique parce qu'on peut se déplacer rapidement avec ça, et du coup on va ici au point. Ok. En fait c'est une histoire là pour l'instant. Ok, désolé je parle pas un mot anglais les gars, je suis nul, on va skipper. Et du coup, Green Teams, ok donc il y a Purple, Yellow, ok donc c'est à dire que là je suis vert. Ok, let's go. Donc là du coup on peut voir les scores, donc moi du coup j'ai fait 10 000, bon après les autres c'est des bots bien sûr. Après il y a les scores d'équipe, donc c'est à dire que si vous jouez en coop, bah faut aller chercher les, faut aller grind les points en équipe. Ok. Collecte, bon ça on va passer les gars. Alors on va faire un petit retour au lobby je pense, et on va pouvoir voir ce qui se passe dans le lobby, voir s'il y a d'autres modes, voir s'il y a des trucs qui sont à nous présenter ou autre, je ne sais pas encore. Regional Early Access, hein. Je pense qu'ils l'ont vraiment mis beaucoup partout. Donc là vous le voyez pas, il est derrière ma caméra. Si je veux la bouge, non je vais pas pouvoir la bouger. Mais elle est derrière ma caméra. Ok, rejoindre le Discord officiel. J'y suis déjà. Donc là du coup c'est des récompenses quotidiennes. Donc là du coup pour une première, j'ai déjà récupéré. Join clan, créer un clan. Bah nous on va créer un clan. On va créer un clan. Comment on fait ça? Les graphismes. Alors, ah effectivement, il y a performance. Donc là, c'est pour avoir une fluidité, mais le jeu, il est pas fou. Balance, c'est la moyenne. Et du coup, qualité. Moi, je veux qualité. Ok. Et donc là, qu'est-ce que je dois faire là? Ok. Interact. Chapter 1, The Fire Mission. Ah mais c'est des missions. Ah mais moi j'ai pas envie de prendre des missions là. Tutorial, ah non ok d'accord c'est le tutoriel. Ok. Ouais. On va quitter hein. Ok. Et donc ça veut dire que, si je comprends bien, si je vais là, ça me dégage en mission. Faut voir. Ah non, c'est une sorte d'open world. Enfin, c'est genre un monde ouvert, quoi. Non. Ah si, c'est bon, on peut bouger la caméra comme ça. Ok. Ah mais en fait, c'est moins pire que ce que je le pensais. Ah mais je parle pas anglais moi, je peux pas faire le tuto correctement. Genre en gros lui va me donner une mission quoi j'imagine. Si je lui parle. Ok, bon, on verra ça au prochain épisode hein, je pense. Je peux le tuer ou pas? Non, je peux pas le tuer. Mais what? Attendez. En fait c'est genre vraiment genre le comme le Just Cause mais genre avec une autre interface. Y'a pas eu truc à exploser genre là, ça explose pas ça? Oula oula. Oula le jeu a bugué. Le jeu a un tout petit peu bugué là. C'est bon il tire plus. Et lui genre il donne des missions? Non il donne pas de missions lui. Ah si en fait on peut se déplacer hein. Ah ça je pensais pas. C'est quoi ça? Ah ça c'est des beaux, ça c'est des méchants ça.
T'as essayé avec moi ou pas là? Je comprends du tout. Non, ils sont pas avec moi, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Il y a un truc qui peut exploser une nouvelle fois. Let's go. Oula. Oh, ils ont carrément envoyé un char contre moi. Oh, les fous. Ah, on peut choisir là où on peut se grab? Mais non. Fais voir. Non, je veux me grab ici, là. Donc là, du coup, je fais ça. Je fais... Waouh. Et genre, est-ce que je peux grab genre un méchant? Alors si par exemple, elle, je l'accroche, ça fait quoi là? Mais toi, c'est un joueur ça? Mais tiens, pas tu, Narvalus? Viens avec moi, toi. Ah ouais, on peut faire ce genre de move. Ok, du coup ça fait gagner de l'or quoi. C'est du farm. Ok. On va voir dans les paramètres si on peut pas mettre le jeu en français. Ça serait cool si on peut le mettre en français, j'ai un doute. Clan, email, catalogue. Option. Graphisme. Ok, tout est en maximum. Game. Audio. La langue. Ah, y'a que l'anglais. Oh shit. Ok. On peut juste, tourner la caméra comme ça. Il faut voir, elle est comment la map? On peut pas l'ouvrir en plus grand? On peut pas l'ouvrir en plus grand, c'est dommage. Ok, donc en gros, y'a une histoire et y'a des missions. Ok. Bon. Bah je pense que les gars on va découvrir tout ça dans une prochaine vidéo parce que là il y a un peu trop de trucs à... Faut que je découvre moi-même. Puis je referai une vidéo même pour l'émission. Je ferai des vidéos peut-être je pense. J'essaie de redécouvrir un peu plus en profondeur et peut-être des détails avec vous. Je vais voir si je peux bouger l'HUD, qu'est-ce qu'il y a, parce que ça reste qu'une early access. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui aujourd'hui bug. Et si ça bug je vais l'envoyer au dev pour demander si ça va être corrigé ou pas. Et j'attendrai que ça soit corrigé pour en refaire une vidéo. Ok. Ah si c'est bon là on voit la map en grand. Ok. Il y a la mode campagne, guest, storm, sabotage. Ok, putain, mais en fait le jeu il est mieux que ce que je le pensais. Honnêtement, il est bien mieux que ce que je pensais. Bon, bah les petits potes, j'espère que cette petite vidéo découverte vous plaira. Je sais qu'on n'est pas dimanche, mais voilà, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo par jour, donc il y a énormément de jeux à faire. Je vous fais des gros bisous, j'espère. Ça vous aura plu, si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. Bye bye.